Eh bien, ben, bonjour à tous qui voudront bien suivre ce stream. Nous sommes sur Dragon Quest 7, la version PS, ou pour être plus précis, Dragon Warrior 7, parce qu'il s'agit de la version américaine. Effectivement, il n'existe qu'une version japonaise de la version PlayStation et une version américaine. Et comme je ne parle pas japonais, on va se contenter de la version américaine. J'ai préféré faire la version PlayStation que la version 3DS, parce que la version 3DS a modifié quelques petites choses que je vais peut-être expliciter pendant qu'on joue. Mais pour l'instant, je vais pas m'étendre là-dessus. Alors, comme vous avez vu l'intro, nous commençons le jeu sur une île avec un temple assez mystérieux. Et nous entendions des voix, deux personnes qui se disent oui, rentrons chez nous. Et voilà, nous sommes chez nous. Au centre de l'écran, vous voyez le personnage principal, que j'ai appelé Roto. Et à côté de lui, il y a Maribel. Et Maribel lui pose la question. Alors vas-tu me dire, vas-tu enfin me raconter où tu pars à chaque fois. Et là, j'ai l'option, lui dire ou non, mais comme vous savez, dans Dragon Quest, souvent, les choix de ce type sont des faux choix. Enfin, vous le savez si vous suivez des Dragon Quest. On va lui dire non. Comme toujours, tu es un homme de peu de parole. Eh bien, je vais retourner chez moi avant que mon père me gronde, ou qu'il rebarque que j'ai disparu. J'espère t'entendre plus tard. Oh, j'allais presque oublier. Demain, c'est la récolte d'amites. Tu devrais rentrer aussi, avant que tes parents se rendent compte que tu as disparu. Rappelle-toi, Roto. Je veux tout savoir sur ton aventure. Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Oui, bien sûr. Salut, Roto. À demain. Bon, voilà, nous avons enfin le contrôle sur le personnage. Et comme dans tout Dragon Quest qui se respecte, on va aller chercher les coffres. Et tous les petits secrets qui peuvent se trouver. Alors, il faut que je trouve les boutons, par contre. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pour... Quel est le bouton d'action? Ah, voilà. J'ai configuré ça il y a quelques temps et j'ai déjà oublié la configuration que j'ai choisie. J'espère que le son est bon. Bon, cette grotte, je peux pas encore y aller. Donc voilà, c'est le premier Dragon Quest en 3D, mais vous voyez, c'est un peu une 3D, comment dire. Et ils ont fait quelques choix. Le décor, lui, est effectivement en 3D. Quoique certains éléments du décor peut-être pas. Mais les personnages, eux, sont clairement des sprites 2D. Ils n'ont pas de profondeur, pour ainsi dire. Donc là, je récolte quelques petits objets. Ça, on n'aura pas à le faire plus tard. Je sais pas si je peux déjà aller dans le bateau. Non, pas encore. On peut rentrer chez les gens. Non, c'est fermé. Je pense que l'église est ouverte par contre. Voilà. On peut parler au prêtre. Ah, mais c'est toi, Roto.
Je suppose que tu veux encore entendre des histoires de, comment dire, de outre la mer. On est, c'est ça? Ben oui, pourquoi pas. Moi aussi, je me demandais ce qu'il y a au-delà de l'étendue de cette mer quand j'avais ton âge. Pouvait-il y avoir des nouveaux pays, d'autres villages? Donc j'ai fait construire un bateau et je suis parti. Mais aussi loin que je puisse aller, que je puisse aller, il n'y avait que de l'océan. Il n'y avait pas d'autres îles, pas d'autres pays, pas d'autres villages, rien du tout. Et il m'est devenu clair, il m'est apparu clair, que dans ce monde, il n'y a que cette île. Ce village, ce château, c'est tout ce qu'il y a. Et ça peut te paraître, ou te donner un sentiment de vide en toi. Mais c'est vraiment la seule chose qu'il y a dans ce monde, cette île. Tu comprends? Non, je comprends pas vraiment. Ça va, tu comprendras avec le temps. T'inquiète pas, Roto. Bon, rentre chez toi, le festival est demain. Tu devras te lever tôt pour voir les bateaux partir. Bon, je fais pas une traduction exacte, évidemment, je fais un peu approximatif pour gagner du temps. Parce que si je devais traduire mot à mot, ça va me prendre des heures. Et j'ai envie de jouer aussi. Et vous avez certainement envie de voir avancer l'histoire. Alors, où est notre maison? Bon, moi j'ai déjà fait le jeu, donc il n'y a pas trop de surprise. Je sais que la maison est ici. Voilà. On peut fouiller les sacs. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est un truc qu'il faudra faire souvent, c'est bien regarder dans tous les sens, parce qu'il y a parfois des petits pots cachés derrière les murs. Voilà mes parents. Non, pas encore. J'ai encore envie de vider mes tous les coffres et tous les tiroirs. Ah voilà, chapeau. D'ailleurs, on va regarder. Je peux certainement m'en équiper. Voilà, équipé. Donc vous voyez, les menus sont très vieillots. Donc ça, il faudra s'y faire aussi. C'est pas comme Dragon Quest 11. Bon, je vais peut-être me coucher comme ça. On continue l'histoire. Ah! Non, pas encore, je viens de voir des sacs là. Mais il n'y avait rien. Tant pis, allons nous coucher. Lève-toi, Roto, le soleil s'est déjà levé, lui. C'est le jour de la récolte d'Amit. Ton père est déjà parti il y a quelque temps. Dépêche-toi et va vers le port. Ok. Tu es prêt? Imagine-moi ça, un fils de pêcheur qui dort comme ça, un jour pareil. Dépêche-toi au port et aide ton père. Ok. Ah, attends un instant. Prends ceci, s'il te plaît. C'est un sandwich au poisson pour lui. Il ne part jamais sans en manger un avant. Ton père doit être au port en ce moment, tout près du temple. Vas-y. Oui, ils insistent beaucoup sur l'endroit où il se trouve, mais je pense pas qu'on va se perdre dans un si petit village. Donc, ça devrait aller, ça devrait aller. Allons-y. C'est la joie, écoutez-moi cette musique. Alors ça doit être le maire. Borcano, tu as probablement raison. Mais je suis pas certain qu'il faut changer de place de pêche. Mais tu vois, Amit, c'est justement ce genre de courant qui me donne de la confiance. Je ne veux pas
paraître arrogant, mais nous, les pêcheurs, nous sommes des experts dans le tempérament des poissons. C'est vrai. Hey, mais c'est toi, Roto. Tu es venu aider ton père, n'est-ce pas? Roto, mais où étais-tu? Ta mère aurait pu donner naissance à un autre fils. Si tu prends tellement de temps pour m'apporter mon sandwich, tu ne l'as pas oublié. Eh non, je ne l'ai pas oublié. Voilà. Miam, miam, oh, c'est bon, magnifique. Je ne peux vraiment pas aller partir en pêche sans en avoir mangé un. Oh oui. Mais qu'est-ce que tu fais, Roto? Ne me regarde pas juste boulanger. Va nettoyer les cabines, fais un truc. Bah, ok, on va descendre. Ah, des coffres! Ah, je vais bien nettoyer, t'inquiète. Ah, mais il est vide déjà. L'impression que la musique est un peu forte. Un peu diminuée. Voilà. Les jeunes comme toi qui ont beaucoup d'énergie, mais qui n'ont pas beaucoup d'expérience, vous ne savez jamais ce qui peut se passer sur l'océan. C'est pourquoi vous devez garder votre calme. D'accord? Une antidote. On dirait qu'on ira plus au nord que d'habitude cette année pour la récolte. Enfin la récolte, la pêche quoi. Mais ils disent la récolte. Encore une herbe. Oula. J'ai vu quelqu'un là. J'ai envie de parler à ce pêcheur avant. Prétends-tu connaître mes sentiments? Non. Bien sûr que non, tu ne pourrais pas comprendre. Comment pourrais-tu comprendre la douleur de quitter son épouse quand on va vers un dangereux voyage? Personne ne peut comprendre ce sentiment. Bah, c'est qu'on n'est pas marié. Enfin. Tais-toi! Personne ne peut me trouver. Ah, le chef coq arrive. Il y a quelqu'un là-bas? Oh non. Maribel, tu as encore essayé de te faufiler dans le bateau. Je croyais que tu pouvais pas venir. On t'avait dit de ne pas venir. Oh, pourquoi je peux pas venir? Tout ce que je voulais, c'est voir ce que vous faites. Ah non, voir ce que vous faites le. Dans le sens que je voulais voir comment vous cuisinez, monsieur le chef. Non, la flatterie ne t'amènera nulle part, Maribel. Descends de ce bateau avant que j'appelle ton père. Ah, très bien, Roto. Viens m'aider à éplucher des patates. Et des pommes de terre, si vous préférez. Espèce d'idiot, Roto! Rien que pour ça, je dirai à tout le monde ce que tu cafouilles dans ta petite base. Flûte. Elle va cafeter. Même nous, au château, nous avons entendu des prouesses de Borcano. Donc Borcano, c'est mon père, hein, je le précise. Tu devrais être fier de l'avoir comme père. D'un autre côté, son jeune frère qui habite au château. Oups, désolé, je voulais rien dire. Je ne dirai pas de mal des gens. Juste prétendre ne rien avoir entendu. D'accord. Donc mon oncle est pas une personne très avisable. Très avisée, quoi. Petit repas. Enfin, une personne pas très fréquentable. C'est plutôt ça que je cherchais comme mot. Désolé Roto, j'ai déjà épluché les patates, bah tant mieux. C'est pas la corvée que je préfère, je vais avouer. J'étais tellement occupé à gueuler sur Maribel que j'ai oublié que je l'avais déjà fait. Elle est vraiment quelque chose, hein. Bon, bah on a tout fait ici. Remontons voir mon père.
retour. Je sais que tu trépignes d'impatience de venir avec moi en voyage, mais à ce moment, tu ne ferais que me gêner. Continue à travailler, à t'entraîner, et un jour, tu pourras devenir un maître pêcheur. Après tout, tu es mon fils. Il y a quelque chose que tu peux faire pour moi, par contre. Prends bien soin de ta mère pendant que je suis parti. Levez l'ancre, levez la voile. Baissez les... Comment on dit en jargon baissez les voiles? Oui, baissez les voiles, c'est ça. Faudrait que je vérifie. Hissez les voiles. Hissez les voiles, c'est plus correct. Voilà, petite musique épique. Bon, midi, ça rend pas super épique, mais je vous invite à écouter la bande son orchestrale, elle est fantastique. Et voilà, ils sont partis. Oh, vraiment ma veine. J'ai réussi à m'enrhumer encore plus. Covid. Pourquoi devait-ce arriver juste quand je pouvais partir en bateau? Quel timing de merde! Ok, bah où est passée Maribel? Est-ce que je peux maintenant rentrer dans les maisons? Ah oui, voilà. On va piller les maisons. Tiens, je peux casser ce pot? Ouais. J'étais pas sûr. Il n'y a rien d'utile. Non mais... Non plus. Ça va le chat, calme-toi. Pas de livre intéressant. Ah, il doit bien avoir quelque chose ici dans sa garde-robe. Ah bah c'est Maribel, tiens. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu veux, Roto? T'as de la chance. Un jour tu pourras partir en bateau et quitter cette île. Même s'ils disent qu'il n'y a rien au-delà de l'océan. Je n'arrive pas à y croire, honnêtement. Ouais, elle boude encore. Donc, vous l'avez compris, il y a quelque chose de particulier dans cette histoire, c'est que apparemment dans le monde, il n'y a qu'une seule île. Il n'y a rien d'autre que cette île, et c'est l'île sur laquelle nous habitons. Tiens, ça doit être la maman de Maribel, ça. Ma Maribel est un tel problème. J'ai engagé un tuteur privé pour elle. Mais elle disparaît toujours quand il arrive. Je me demande si elle va vraiment devenir une dame comme, avec cette attitude. Vous inquiétez pas. Alors. Est-ce que j'ai déjà vidé les tiroirs là-bas? Je pense que bien. Non, ouais, si, ou peut-être que je les ai vidés. Ouais, elle s'endort celle-là. Donc ça, je les avais pris la nuit. Le roi demande une audience avec toi. Tu dois aller au château immédiatement. Prends la route par la mer, par le bord de mer, et tu devrais très vite arriver à Estarde. C'est au nord-ouest. Voilà, donc nous savons le nom du château, Estarde. J'ai entendu ce qu'il a dit. Tu dois aller au château. Je viens avec toi. Hein. Bon, bah pourquoi pas. Ils vendent beaucoup de belles robes en ville. Allons-y. Oh, punaise. Les femmes qui font du shopping, je vous jure. Bon, eh ben on a quelqu'un dans notre équipe. Peut-être que je peux l'équiper d'ailleurs. C'est pas une mauvaise idée ça. Voyons voir, j'ai
pour toi, j'ai ça. Oui, vas-y, équipe. Et c'est tout. Je vais peut-être lui donner quelques herbes. Ah, celle-ci aussi. Voilà. Nous sommes fin prêts. Qu'est-ce qu'il y a, Roto? Tu es très, très silencieux. Écoute, si tu veux parler, d'accord, mais pas quand il y a tellement de monde autour. J'ai une image à maintenir. Oh, quelle connasse. N'abuse pas ton privilège de pouvoir parler avec moi. Il y a une très fine ligne entre la sociabilité et juste être ennuyeux. Bon, d'accord. J'espère bien. Allez, allons au château. C'est qui le petit? Mon papa est pêcheur. Il a promis de m'attraper plein de poissons. Je vais peut-être sauver. Même si c'est pas encore très grave, mais le jeu est super long. Et donc c'est assez frustrant de ne pas avoir de sauvegarde. Ah, il m'a dit plein de trucs et j'ai zappé un peu. Il a parlé entre autres de Kiefer, que nous allons voir bientôt. Voilà, la petite musique de sauvegarde qui n'a pas changé en... Ah mince, je me suis trompé. J'ai dit non. Et là, il va falloir que je reset le jeu. Bah, comme ça me fera un test pour voir si j'ai fait une bonne sauvegarde. Voilà, petit écran PlayStation. Pour certains, la nostalgie, je suppose. Ok, reprenons notre partie. Bon, ça a l'air d'avoir bien sauvegardé. Ok, c'est reparti. Bon, on va pas parler à tout le monde, bien que dans ce type de jeu, il vaut mieux parler au maximum de gens. Je crois qu'on n'est pas allé dans cette maison. Oui. Tiens, on va faire cette maison avant d'aller au château. Juste question de fouiller un peu. Et dans ce jeu, il va être très important de fouiller, bien fouiller les maisons. De bien fouiller tout ce qu'il y a à fouiller parce que je vais l'expliquer plus tard, mais enfin, ça va devenir clair assez tôt. Ah, une graine de défense, pas mal. Bon, je vais la garder pour l'instant. Pas besoin de la dépenser tout de suite. Et rendons-nous vers le château. Donc nord-ouest. Ah tiens, il y a une petite maison ici, une petite cabane. Voyons voir ce qu'il y a ici. Ah! C'est ça alors. Intéressant. Ok. Ah, comme je m'y attendais, ils sont tous partis quand ils vous ont vu. Vous êtes venu de la ville d'Estar? Ah, je vois. Ah, dans ce cas, je vais vous raconter quelque chose. La personne qui ennuie tout le monde, c'était quoi son nom déjà? Oui. Ondara, Ondara. C'est un bon à rien qui s'appelle Ondara et qui passe par ici parfois. Faites attention à lui. Hein? Vous vous demandez comment je le connais? Mais les animaux de la forêt m'en ont parlé. Je vous raconte pas de blagues, oui, j'adore la nature, je suis copain avec les animaux. Et avec ça, j'ai appris leur langage. C'est comme ça que je sais tellement de choses sur comment vivre au fin fond de la forêt.
Les animaux me apprennent des choses. D'accord. Donc lui, il faut retenir, il parle avec les animaux. Tiens, la maison est fermée. Ok. Donc c'est clairement pas le château, ça. Ok, on continue de marcher. Pour ceux qui ont l'habitude des Dragon Quest, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Je vous laisse réfléchir. Ah, enfin, nous y sommes. Bon, ben j'y vais, moi. Quoi? Oui, je rentrerai tout seul plus tard. J'y arriverai tout seul, t'inquiète pas. Merci, Roto. Bah, elle voulait venir avec moi, elle pense qu'au shopping, voilà. On l'a perdue. Bienvenue, c'est la ville de Stard. Oh, mais c'est toi! On dirait que ta copine t'a laissé en rade. Oui, effectivement, elle s'est barrée. Mais bon, ma copine, avec son caractère. On peut même prendre les pots qui sont sur les petites tables comme ça. Rien d'intéressant. Aucun livre d'intéressant. Bon, qu'est-ce qu'il veut, le monsieur? J'ai pété tout dans sa maison. Qu'est-ce qu'il va me raconter? J'ai entendu que le prince Kiefer a fait des choses pas très réglo. Mais je suis sûr que le prince ne ferait pas une chose comme ça. Ça doit être la faute de ses amis. D'accord. Ok, je commence à avoir un doute sur la nature de ma convocation au palais. Apparemment, on va me blâmer du comportement du prince. Ah, un petit pot là. Petit à petit, je vais devenir riche comme ça. Ok. On va pas sauver, hein, je viens de sauver. C'est bon. Salut. Peut-être la madame. C'est grâce à Dieu si j'ai pu vivre si longtemps et dans des temps si heureux. Je viens chaque jour pour prier pour la paix dans le monde. Quel beau temps! C'est les jours comme ceux-ci qui sont les plus paisibles. J'étais en train de nettoyer l'entrepôt l'autre jour lorsque j'ai trouvé des épées et des boucliers. Je me demande de quel air ils venaient. Je suppose que dans un pays aussi pacifique que le nôtre, non, je suppose que même un pays si pacifique que le nôtre a dû avoir ses guerres. Il y a juste un moment, Orca est sorti de son magasin avec une fille. Ça doit être sa nouvelle copine. Orca est un type assez intelligent. Orca. Ils n'ont pas encore parlé de Orca. Il reste plus rien. Je suppose que louer une maison à Ondara était une erreur. C'est le frère de Borcano. Alors je pensais pouvoir lui faire confiance. Oh. Mon oncle, c'est vraiment un enculé, quoi. Excusez le mot. Hein, des habits. La même chose. Bah quoi, ils sont pas intéressants ces habits. J'ai horreur de le dire, mais Ondara. Oula, il prend la moitié de. Sa. Laziness, comment on traduit ça déjà? Sa paresse est légendaire. Et mon mari et moi, nous n'arrivons pas à le détester. Mais à ce rythme, il va nous demander de partir. Ah oui, il est en train de les plumer, quoi. Donc mon oncle était un usurier. Ouf, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quelle horreur. J'ai tout pété.
J'imagine que casser les bouteilles n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah, c'est Ondara, voilà. On l'a trouvé. Il est profondément endormi. Vous voyez, c'est vraiment un sprite deux dimensionnel et il est dégueulasse quand on le voit en diagonale. Là, c'est mieux comme ça. Il a en fait que quatre orientations, quoi. Tiens, il y a quelque chose là-bas. Ah oui, je m'en souviens de ça. Bah, allons voir. On devrait revenir quelques fois ici, si mes souvenirs sont bons. Des petits coffres. Qu'est-ce que c'est? Encore une graine d'intelligence. Ah, ici on peut pas tourner la caméra complètement, on peut pas faire une rotation complète. Carte de l'argent. Plein de livres compliqués. Apparemment, notre personnage ne sait pas lire. Ou pas très bien. Plein de livres difficiles. Pareil. Pareil. Bon, j'imagine que c'est pareil ici. Ouais, parce que parfois il faut contrôler les étagères. Il y a de temps en temps des livres intéressants pour nous. Mais dans le cas présent. Le vieil homme, d'accord. Mais qui penses-tu, bien-être, jeune homme? Entrer dans la maison comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux regarder un vieux fou, c'est ça? Le vieux fou de la falaise? Eh bien, me voilà! T'es content? Sors maintenant! Apparemment, c'est le vieux. Il se fait traiter de vieux fou de la falaise. Ouf, ouf. Ah, ça c'est intéressant. Un magasin d'armes. On dirait que mon fils Orca sort avec la fille d'Amit en ce moment. Mais je n'aime pas cette fille. Elle est un peu égoïste. Et la fille d'Amit, c'est Maribel, quoi. Putain, mais je me souviens pas d'Orca. Ah bah ça doit être lui. Allons voir. Bienvenue, c'est un magasin généraliste. Que voulez-vous acheter? Alors, qu'est-ce que je peux acheter? On va prendre ça. Ça va déjà augmenter mes capacités défensives un petit peu. Oui, je vais m'en équiper. Peut-être le bouclier, ouais, pourquoi pas. Voilà, comme ça nous sommes finement équipés. Ah, par contre, ça diminue mon style. Oups. Montons à l'étage, parce qu'il y avait Maribel. Ah, lui, c'est du Yorka. Nous sommes en train de parler, alors ne viens pas. Hé, hey, Roto! Je suis venu ici parce que tu es venu ici parce que tu es intéressé en ce que je fais, hein? Mais t'inquiète pas, Orca et moi, nous ne nous voyons pas. Bah, tu vois quoi, c'est pas. Enfin bref, être populaire, ce n'est pas simple. Bon, est-ce que j'ai tout visité?
J'ai été dans cette maison. Oui. Donc je pense qu'il est temps d'aller au château. Ah non, j'ai pas encore été dans cette maison. Ah, les petits pots cachés. Hé, hey, Roto! J'aimerais mettre la main sur Ondara, ton oncle Ondara, en ce moment. Il a essayé de regarder par la vitre de la salle de bain pendant que ma femme prenait son bain. Oh, désolé, c'est pas la peine, il faudrait pas que je te raconte ça. D'accord. Mais c'est vraiment un gredin, ce type. Ah, enfin un livre. Le jour X du mois Y, j'ai emprunté 50 gold. Signé Ondara. D'accord. Vraiment, notre oncle. Qu'est-ce que tu veux? C'est mal élevé de regarder une femme pendant qu'elle se met son make-up, tu sais? Pendant qu'elle met son maquillage. Ok, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, j'ai eu le message du roi. Oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Très bien. Bon, bah, allons-y. Ah, le château. Bon, on va pas parler aux gardes là. C'est quoi ces petites bouses? Allons tout de suite voir le roi. Avançons un peu l'histoire. Le roi Burns. Kiefer! Est-ce qu'on n'a toujours pas retrouvé le prince Kiefer? Cet idiot! Je ne vais pas te le pardonner cette fois. Votre Majesté! S'il vous plaît, calmez-vous, ne serait-ce que pour moi. Je suis sûr que le prince Kiefer a ses raisons de faire ce qu'il a fait. Silence! Pas besoin de le couvrir. Ah, Roto! Depuis quand es-tu là? Je t'attendais. Viens ici, sujet. Oula. Il est pas content. Assis-toi, mon petit. Il fait asseoir sur son trône. J'apprécierais que tu me regardes dans les yeux, Roto. Voudrais-tu m'accorder ce simple geste? Ok. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Roto? Roto? Non, je te cacherai à moi. Ne feins pas l'ignorance. Je peux voir une étincelle d'intelligence dans tes yeux qui est absente de la plupart de mes loyaux sujets. Kiefer a agi assez. Il a été, comment dire, atteint d'AD. C'est comme s'il est poussé par une force invisible. Aujourd'hui, il a pris l'anneau de la reine. Donc, il a volé la bague de la reine, d'accord. Je suis perdu par son comportement de plus en plus erratique. La distance entre lui et moi a grandi depuis que sa mère est décédée. Depuis, il ne fait plus attention à ce que je lui dis. Il a pris le goût pour le vin, les femmes et l'aventure. Mais il est temps qu'il accepte sa responsabilité envers les gens d'Estarde. Veux-tu parler avec lui, s'il te plaît? Ok, c'est tout. Ben moi, je pensais que ce serait pire que ça. Sa Majesté est très concernée par l'attitude de Kiefer. Otto, il faut que tu gardes un œil sur lui. D'accord, vous inquiétez pas. On va trouver Kiefer. J'imagine que c'est le type. Enfin, je le sais. Je sais que c'est le type dans la scène d'intro. Celui qui était avec nous dans les ruines. Bon, fouillons le reste du château pour l'instant. Ah, punaise. Ah,
Ah oui, les bons vieux Dragon Quest à l'ancienne où il fallait tout fouiller. Bon, ceci dit, ça va pas changer dans le 11. Hein. Dragon Quest 11, c'est pareil, il faut tout fouiller. Ah, une princesse, chevalier. J'ai eu l'impression de voir quelque chose flasher de l'autre côté de l'océan. Mais d'un autre côté, de l'autre côté de l'océan, il n'y a que de l'océan. J'ai juste quelque chose dans le coin de l'œil. Ce sont les chambres du roi. Le roi n'est pas là, mais la sœur du prince Kiefer, Lisa, est ici. Sois respectueux. Ah oui, donc la princesse qu'on a vue, c'est la petite sœur de. C'est la petite sœur de Kiefer. Princesse Lisa. Ah, c'est toi, Roto! J'ai entendu que mon père voulait te voir. Merci d'être venu. Je suis sûr que mon père veut entendre de ce que tu fais avec mon frère. Tu sais, ils disent que. Oui, ça, on le sait déjà. Hein, qu'il n'y a que de l'océan. Il n'y a rien d'autre que cette île. D'accord. Mais mon frère ne veut pas y croire. Non, on va passer, c'est pas très intéressant comme dialogue, il n'y a pas d'infos nouvelles. À mon avis, ce qui reste à faire, c'est d'aller explorer le reste de l'île. Je sais même pas si c'est à ce stade super intéressant de faire tout le château. Toi, Quatruant, comment on traduit ça, fortune telling La divination, la divination. Crois-tu en la divination? Non. Donc tu ne crois pas en moi? Bon, ça va. C'est tout? Attends, et si je lui dis oui? Crois-tu en la divination? Oui. Eh bien, cet homme va voir ce que tu as, ce qui est dans ton avenir. Fire my dire liar. Papaya. Eh bien, je peux rien voir. Ah non, je peux le voir. Je peux le voir, tu vas devenir un grand guerrier qui va rapporter la paix dans le monde. C'est bizarre, pourtant le monde est déjà en paix. Oh, je suppose que ma divination n'est pas ce qu'elle était. Ma clairvoyance n'est pas ce qu'elle était autrefois. Bien qu'Estar est un château ouvert, il y a des endroits où les autres ne peuvent pas aller. D'accord. Bon, on a fait à peu près le tour du principal. De toute façon, je reviendrai ici plus tard. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'important. Peut-être dans les sous-sols. Mais je crois qu'on n'a pas accès à tous les sous-sols à ce stade. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ah, la banque, ouais. Ok. Donc comme dans chaque Dragon Quest, il y a moyen... Enfin, chaque Dragon Quest depuis le 3, je crois. Il y a moyen de stocker son argent. Ok, salut. Et celui-là, qu'est-ce qu'il me veut? Et ça, c'est pour acheter des objets, d'accord. Ah, tiens, d'accord. Je vais peut-être m'acheter ça. Ah, mais j'ai plus d'argent, ouais. Ok. Bon, allons-y alors si j'ai plus d'argent. Ah, j'ai bien fait de regarder. Il y avait un sous-sol. Donc ça, il faut le retenir pour plus tard. Un sous-sol avec des beaux gros coffres. Ah voilà, je cherchais comment entrer dans les cuisines. Mais dis donc, il y en a des trucs avec Amit dans le nom.
type avait un sens commercial quand même, le père de Maribel. J'ai perdu mes lunettes, je ne vois plus rien. Peut-être qu'on peut les trouver pour lui. Ils sont peut-être dans un pot. En tout cas, il y a des herbes. Peut-être qu'en balançant des pots, je vais péter ses lunettes. Ah bah c'est ses lunettes, voilà. On va lui parler, peut-être qu'il va nous donner quelque chose en échange. Ah, donc je lui rends ses lunettes et il me parle du seigneur des démons qui a fait une bataille avec Dieu. La bataille a duré pour des douzaines, non, voire des centaines d'années avant que Dieu détruit le seigneur des démons. C'est ce qui a conduit à l'ère de paix dans laquelle nous prospérons aujourd'hui. Mais où est-ce que Dieu a bien pu partir après ça? Les mythes ne nous racontent pas ce détail. Ça, c'est intéressant. Donc il nous dit que dans le passé, il y a eu une grande bataille entre le Seigneur des démons et Dieu. Et apparemment, Dieu aurait gagné, ce qui explique la paix qui règne en ce moment. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec Dieu après ça. Tu es le fils d'Orcano? Tu as vu le roi? Oui, je l'ai déjà vu, oui. Ah, je vois. Tu dois être un sacré type pour avoir la confiance du roi et du prince. Oh, je suis juste le fils de Borcano, quoi. C'est quand même pas n'importe qui. C'est le meilleur pêcheur du monde. Oh là, encore un qui s'est fait baiser par mon oncle. Alors là, on peut sortir du château. Il y a un type. J'ai vu le prince dans la trésorerie. Il cherchait quelque chose. La dernière fois que je l'ai vu, il courait avec un parchemin dans ses mains. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cherche des trésors. Qu'est-ce qu'il fout? Donc le prince a un comportement assez bizarre. Il cherche des trucs. Ah, je pense que le pont-levis. Oui, je me souviens. Donc, je sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais il y a un levier là, à l'entrée là. Oui, voilà, mais je peux pas l'activer, ok. Et ce levier doit activer le pont-levis et c'est pour une quête plus tard, je pense. Bon, très bien. Mais je m'en vais. Allons chercher le prince. Où pourrait-il bien être? Bon, je suppose qu'il n'est pas au village. Tentons les ruines. Donc, vous vous souvenez dans la scène d'introduction, il y avait des ruines. Et ben voici les fameuses ruines. Je crois qu'on les a vues du coin tout à l'heure quand on est monté en haut de la map. Et puis je vous ai parlé d'autre chose. Vous avez peut-être marqué quelque chose de bizarre pour un Dragon Quest, mais on se trimballe sur la map et on n'a toujours pas eu de combat. Ben effectivement, c'est vraiment la paix. Il n'y a pas un seul combat sur toute la map. Donc c'est vraiment le point atypique de ce Dragon Quest, c'est qu'on démarre le jeu et il n'y a pas un seul monstre. Voyons voir ces ruines. Il y a de la brume partout. Voilà, ça c'est la dalle. Hop, on la bouge. C'est la dalle qu'on a vue au début du jeu. Donc dans la scène d'introduction. Et même à l'intérieur des ruines, aucun monstre, aucun combat, rien du tout. Porte fermée. Donc on arrive dans une sorte de petite crique. Peut-être que je dois faire attention aussi s'il y a un coffre, mais je pense qu'on peut pas. Ouais. Ici, on peut pas complètement tourner la caméra, donc à mon avis, il n'y aura pas de pot caché. Mais je me méfie quand même parce que dans ce jeu, il est assez simple de perdre de vue un pot.
Je pense que nous avons trouvé le prince. Et effectivement, Kiefer. Si je bouge ça par là, et puis... Ah, c'est toi, Roto! Tu es enfin arrivé. Je n'étais pas sûr si tu pouvais venir ici en toute sécurité. Je ne pouvais pas raconter à ta mère que nous allions nous rencontrer ici. Quoi qu'il en soit, regarde ceci. Nous recevons un vieux parchemin. D'accord. Je vais le regarder dans mon inventaire, c'est ça? Oh, finesse, j'ai déjà tellement de brôles dans... Déjà, je vais mettre ça dans le sac. C'est déjà tellement de bordel dans mon inventaire. Donc, voyons voir. J'ouvre le parchemin. Il y a une image d'un sceptre tenu en l'air par un sage. Et puis du sceptre, il y a une lumière qui irradie. Le reste des pages montre des tablettes. Mais tout est dans un langage en soi que ancien que nous ne pouvons pas lire. D'accord? Qu'en penses-tu, Roto? Le magicien, on dirait bien la statue là, il ressemble carrément. Si nous faisons quelque chose avec la statue, il y a peut-être moyen de trouver la réponse que nous cherchons. J'ai un sentiment que le soleil est la clé dans cette affaire. C'est pour ça que j'ai ramené ceci. C'est la bague du soleil. Sunstone Ring. La bague de pierre du soleil, quelque chose comme ça, ouais. Si nous le mettons sur la statue, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Bon, je vais essayer sur ce sceptre. Je pense que c'est le bon endroit. Bon, j'y vais, je le place. Tu es prêt, Roto? Qu'est-ce qu'on s'en fiche que cet endroit soit interdit? Si j'avais su qu'il y avait ça... Pourquoi les savants nous cachent-ils cet endroit? Pourquoi veulent-ils nous empêcher de découvrir la vérité? Il y a quelque chose qui se passe dans ces ruines. Quelque chose qui va changer mon destin. Oui. Quoi? On dirait que ça a commencé à briller et puis il s'est rien passé. Désolé, Roto. Je crois m'être trompé sur cette bague. Je suis certain que le soleil a à voir quelque chose dans cette affaire, mais c'est apparemment pas cette bague. Je te donne le parchemin pour ce... Entre-temps, si tu découvres quelque chose, laisse-moi le sa savoir. Je retourne au château et je chercherai là-bas. À plus tard. Ok. Donc on a reçu le parchemin. Une statue bizarre. Ok. Et le bâtiment central est fermé comme la porte qu'on a vue tout à l'heure. Ah, ici on peut faire une rotation complète, d'accord. Peut-être qu'il y a quelque chose qui traîne dans les ruines, hein. À la première vue, je vois rien. Surtout si c'est une zone interdite, elle a peut-être pas été pillée. Tiens, il y a quelque chose ici, je crois. Non. Bon, à première vue, il y a rien dans les ruines même. À part cette statue bizarre et bien sûr la porte qu'on n'arrive pas à ouvrir. Alors, je vais prendre une petite pause de quelques minutes pour m'hydrater. Thank you.
Et me voilà de retour. Bon, nous avons reçu le parchemin. J'ai ma petite idée sur l'endroit où nous pourrions aller.
Mais je vais d'abord passer par le village. Peut-être pour faire une petite sauvegarde aussi. J'ai passé voir ma mère, juste voir si elle me dit quelque chose d'autre. Oh, bienvenue, retour. As-tu trouvé le prince? Oui, je l'ai trouvé. Très bien, le prince est un homme très occupé, tu sais. Essaye de ne pas trop l'embêter, d'accord? Ok. Pas vraiment d'informations intéressantes. Je pense que je vais aller montrer le parchemin au vieux fou qu'on a trouvé sous la falaise. Ça me paraît une bonne idée. Parce que quelque chose me dit qu'il n'est pas aussi fou que ça. Comme toujours dans les RPG, c'est les personnages les plus excentriques qui sont les plus intéressants. Ok, il me... Ah, voilà, oui. Veux-tu donner le tome... Oui, je vais lui donner. Ah, tu es un vendeur maintenant? Ouais, j'avais fait une autre voix. Tu es un vendeur maintenant? Et pourquoi tu voudrais que je sois intéressé par ce vieux truc démoli? Bon, d'accord, je t'en donne 500. D'accord, pourquoi pas. Je voudrais bien, mais j'ai pas l'argent en fait. Désolé. Mais comment as-tu trouvé ce tome? Le prince? Il a été dans la trésorerie ou quoi? Laisse-moi regarder ça de plus près. Une image d'un sage et d'une lumière brillante. Quoi, le prince a essayé de mettre un anneau sur la statue? Ah! Je pensais qu'il était un peu bébête, mais on dirait que on dirait que les savants du château sont encore plus bêtes. Laisse-moi garder ce tome pour l'instant, je vais l'examiner et voir ce que je peux trouver. D'accord. J'arrive à déchiffrer ce texte pendant ce temps. Reviens dans un moment. D'accord. Salut papy. Bon, par contre, il nous a pas donné 500 balles. J'aurais bien aimé, on aurait pu acheter des trucs. Allons voir le prince. Est-ce que je vais pouvoir le trouver? Ok, il me dit toujours plus ou moins la même chose que tout à l'heure. Est-ce qu'on a vu le prince? C'était sa chambre, ça, ici. Ah, il est reparti. Ok. Il va essayer quelque chose. Ok, mais c'est pas ce qu'elle m'a dit tout à l'heure et... Ok, peut-être que c'est la même chose, je sais pas. Donc, soit il est reparti tester quelque chose.
Voyons voir. Donc au début du jeu, on va devoir faire pas mal d'allers-retours. Ben non, il n'est pas là. Est-ce qu'il est ici? Non plus. On va devoir faire pas mal d'allers-retours entre les ruines, notre village et le château. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits à visiter. Peut-être piquer un somme. Juste pour voir si ça change quelque chose à l'état du monde. Probablement rien, mais on peut toujours tenter la chose. Non, elle me dit la même chose. Ok. Oui, au revoir. Il y avait, si vous vous souvenez bien, si vous avez regardé dès le début, il y avait une grotte ici. Allons faire un petit tour. Peut-être qu'il est là. Ok, il semblerait que non. Mais... Nous avons du stuff à nous faire. Et une dalle. Il semblerait que je ne puisse pas la pousser. Et Maribel, est-ce qu'elle est déjà rentrée ou elle est encore toujours dans le village? Esther plutôt. Tiens. Il va faire très calme ici dans le village maintenant que tous les jeunes pêcheurs sont partis. Ah oui, effectivement. Voyons voir. Est-ce qu'elle est dans sa chambre? Oui, elle est rentrée. Oh Roto, te revoilà! Tu t'es vraiment inquiété pour moi, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé? Non, pas vraiment. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Effectivement, on te cache quelque chose, mais... Peut-on vraiment te faire confiance, Maribel? Bon, eh bien, il faudrait que je trouve le prince. Maintenant que j'ai donné le parchemin. Et ici, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il n'y a rien qui a changé ici. Par contre, je ne suis pas entré dans le puits. Ceux qui connaissent les Dragon Quest savent que les puits sont visitables. Et parfois, il y a des trucs cachés au fond. Mais là, en l'occurrence, il n'y a rien. Ok. Oui, ça tu me l'as déjà dit, mon pote. Donc, aucune nouvelle info. Donc, je pense que le tout sera de trouver Kiefer, qui est probablement quelque part dans le château, mais je ne sais pas où. Ah, mon oncle a disparu. Il s'est réveillé. Et il est probablement en train de faire des choses horribles. Enfin, lui, il me dit la même chose que la dernière fois. Ah, mais attends un instant. Donc, le vieil homme parlait des savants du palais. Non, je veux pas sauver. Peut-être que Kiefer est allé voir les savants et donc il a dû leur demander des conseils. Oui, ça doit être un truc comme ça. Donc, retournons au château.
peut-être. Non, ici il n'y avait rien. Je sais pas aller voir le type là qui est contre le mur. Faudrait que je vois si je peux l'atteindre. Ah voilà un savant. Il y a très longtemps, la zone est de cette île a été marquée comme une zone interdite. J'ai entendu qu'il y a encore des ruines là-bas dans ces forêts. Mais apparemment, elles étaient le lieu d'enterrement de la famille royale. Et si c'est le cas, je voudrais que tu n'y ailles pas voir de trop près. Ne dérange pas la paix des morts. Oui, ok. Ok, ça c'est les livres du savant. Ah, il y a peut-être quelque chose ici. Non, rien du tout. D'accord. Donc Kiefer a sauté dans le bassin ici. L'histoire raconte beaucoup sur des monstres, mais qui aurait pu les créer? Si ces créatures ont réellement existé, j'aimerais bien les voir de mes propres yeux. Et oui, effectivement, on n'a toujours pas vu de monstres. C'est peut-être pour le mieux. Ah oui, le mec qui me... Oula. De l'eau. Donc, apparemment, vu ses conseils, Kiefer doit être dans un endroit où il y a de l'eau. On va fouiller un peu plus le château parce que je sais qu'il y a des endroits cachés dans le château. Donc, il faut faire gaffe, faut ouvrir l'œil. Je crois qu'il y a une sortie par ici. Oui! On va tester ces sorties. Donc pour y aller, il faudrait que je vienne de par là. Ok. Ah oui, non, c'était pour voir la princesse. Ok, donc c'est pas intéressant. On a fait. Tiens, on a parlé. Si je ne me trompe pas, tu es l'ami de Kiefer, c'est ça? Le prince fait des trucs bizarres en ce moment. Est-ce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait? Bon, j'aimerais redescendre. C'était pas par ici. Non, pour l'instant... On n'a pas encore trouvé comment se rendre là-bas. Ah, ici, une porte, voilà. C'est ça. Ah, il y a un truc intéressant encore ici, c'est ce type-là avec la carte. Il y a peut-être quelque chose à nous raconter. Ah, mais la porte, d'accord, la porte, on peut pas l'atteindre d'où nous sommes. Peut-être par ici. Ah oui, voilà. Ah non, il faudra lever le... Il faudra actionner le levier.
Ok, mais j'ai l'impression que ouais, il veut pas actionner le levier. Donc peut-être c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. J'ai peut-être parlé encore un peu au soldat. Oui, lui on lui a parlé. C'était il s'est fait tromper par notre oncle. Donc s'il n'y a rien ici. Je crois que nous sommes tout simplement pas en train de regarder au bon endroit. Donc voyons voir en ville si je peux trouver le prince. Le prince, il pourrait peut-être. Je crois que j'ai pas encore été dans l'auberge. Ah bah déjà, il y a quelque chose ici. Oh Ondara, je suis sûr qu'il y a quelqu'un de mieux pour toi. Alors pourquoi ne pas te garder pour cette personne? Et Roto, tu es là aussi. Essaye de le convaincre. Je veux juste que tu comprennes mon point de vue. Tu vois, j'ai un cadeau pour toi. Touche-le. C'est bien chaud, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la pierre de chaleur. Ça n'a peut-être l'air que d'un vieux caillou, mais c'est très différent à l'intérieur. C'est un peu bizarre comme conversation. Un peu comme moi, n'est-ce pas? Hey, mais c'est toi, Roto. Tu arrives au bon moment, j'ai besoin que tu m'aides avec cette dame. Pendant que tu fais ça, je vais aller m'endormir. Ok. Eh, hey, tu paieras la... Oh non, il va me faire payer. Oh. C'est vraiment un escroc, ce type. Oh, il est enfin parti. T'inquiète pas, Roto, je vais juste mettre ça sur sa note. Ok, il est sympa, le barman. Mais j'imagine, sur une petite île où tout le monde se connaît, il n'y a pas de souci, on peut faire des trucs comme ça, mais... Des fois, je me demande ce que Borcano pense de son frère Ondara. Je pense qu'il ne peut tout simplement pas exprimer sa véritable opinion. Ok, mais on a eu une petite indication d'un objet qui serait peut-être important, soit dans l'immédiat, soit plus tard. C'est que notre oncle, il possède une pierre, la pierre de chaleur, Hot Stone. Ça aura probablement son importance dans le scénario plus tard, donc il faut le retenir aussi. Donc on a déjà pas mal de trucs à retenir. On va un peu faire le triage. Est-ce qu'il y a des objets encore à... Ouais, on dirait pas. J'avais pas encore visité l'auberge. Mais c'est un peu bizarre d'avoir une auberge sur une île où il y a qu'une ville et un village, quoi. Qui va venir les visiter? Juste le villageois qui vient en ville, qui va passer à l'auberge alors qu'il a qu'à faire quelques kilomètres, je sais pas, en distance que ça représente. C'est bien sûr une map un peu réduite, mais. Ah! Il y a un truc que j'ai pas fait encore. J'ai pas encore fouillé à l'étage. Comment y aller déjà? Ah, je sens que pour trouver le prince, on sera obligé de parler à toutes sortes de PNJ. Ouais. Oh. Ah oui, d'accord. Ça me paraissait un peu trop facile. Peut-être qu'on pourra les ouvrir plus tard, ces coffres. Voilà. Rien et rien. Bon, peut-être les sacs alors. Ce que je comprends pas, c'est est-ce que le sprite compte pour un sac, enfin un endroit à fouiller ou deux endroits à fouiller? Ça, je ne sais pas.
Donc dans le doute, je préfère fouiller les deux, mais... j'ai dit à Ondara que... de me rendre mon bonbon, mais il m'a juste tabassé avec... il m'a juste touché avec un drôle de caillou. Ok. Il s'attaque même au môme, là. Notre oncle. C'est un pédophile. Donc lui, il est reparti se coucher. Je vais aller voir si je peux peut-être lui faire une crasse. Ah, la pierre est tombée de sa poche. J'ai la pierre, super. Et je pense que c'est ça qui va activer la suite du scénario. Le fait d'obtenir la pierre va probablement me débloquer. Peut-être que je devrais aller essayer la pierre. Après tout, il nous a dit, enfin, Kiefer prétendait qu'il y avait peut-être un lien entre le soleil et la statue. Donc peut-être qu'en utilisant la pierre, ça va activer objet utilisé. Voilà, en place. Il ne se produit rien du tout. Ah, il y a une note de Kiefer attachée à la statue. Roto, comment ça va? J'ai essayé toutes sortes de choses, mais rien n'a marché. Je suis curieux de savoir si tu as découvert autre chose. Retourne dans ma chambre, au château. Voilà, bah c'est bien ce que je pensais, ça. Le fait de faire cette petite quête avec notre oncle a débloqué la suite. Donc voilà, ça c'est les RPG. Hein. Bon, retournons au château dans la chambre de Kiefer. Et donc voilà, on fait un aller-retour. Ah, le voilà. Roto! Je suppose que tu n'as rien trouvé d'autre, toi non plus. J'ai essayé tout ce que je pouvais imaginer, mais rien ne marche. Qu'est-ce que sont ces rayons de soleil dans le parchemin? Hé! Mais où est le parchemin? Tu sais où il est? Quoi? Tu l'as donné à ce vieux fou? Mais c'est génial! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Allons-y, peut-être qu'il a trouvé quelque chose. D'accord. On va aller voir le vieux fou. En route vers le vieux fou. D'ailleurs, je me demande, Kiefer, il est déjà équipé? Oh, il a juste. Ouais, d'accord. Pour l'instant, il n'a pas grand-chose. Mais j'ai plus beaucoup de sous, moi, donc. Pour son équipement, il devrait attendre. Et de toute façon, il n'y a pas de monstre, donc. Ça sert pas à grand chose de l'équiper dans l'immédiat. Alors, vieux fou. Je veux dire, vieil homme. Ah, tu es revenu! Oui, j'ai réussi à déchiffrer l'ancien texte. Quoi, vous avez déchiffré l'ancien texte? Mais qu'est-ce qu'il dit alors? Qu'est-ce qu'il raconte, vieil homme? Mais qui tu dois... Ah, tu dois être Levrince. Continuez, ne m'interrompez pas. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Mais calme-toi, je vais te le raconter, je venais. Donc de ce que j'ai compris, la lumière sur l'image n'a rien à voir avec le soleil. Quoi, ça n'a rien à voir avec le soleil?
Exactement. La lumière symbolise la passion dans le cœur de l'élu. L'élu? Mais l'élu par qui, vieil homme? Je suppose que c'était l'élu qui a créé les ruines. Je sais pas trop ce qui se passe, mais moi j'ai plus de, comment dire, de passion et de bonté dans mon cœur que personne d'autre. Tu penses vraiment être l'élu? Eh bien, laisse-moi te dire ce qu'il faut faire. Élu, présente-toi devant le philosophe à la porte et prie de tout ton cœur. Quand il verra ta pureté, le chemin s'ouvrira. C'est tout. Donc, moi, en tant qu'élu, tout ce que je dois faire, c'est de souhaiter que la porte s'ouvre. Ok, tu es vraiment impudent. Mais c'est peut-être ce qui pourrait t'aider au final. Après tout, les miracles ne se produisent qu'à ceux qui y croient. Attendez, vieil homme, je vais vous montrer un miracle, moi. Bon, ben, on sait ce qu'on doit faire. Donc on doit prier. Et comme Kiefer est certain d'être l'élu, bah, je suis certain que ça va marcher. Votre Altesse, vous voilà. Nous vous cherchions partout. Le roi veut vous voir tout de suite. Venez avec nous. Mon père? Ah, oubliez ça. J'ai quelque chose à faire. Votre Altesse, s'il vous plaît. Le roi, votre père, il est de très très mauvaise humeur. Nous avons peur pour nos emplois si vous continuez à vous comporter comme ça. Venez, prince. Votre Altesse, j'ai une vieille mère âgée. Ma femme va donner naissance. Ah, non, vient de donner naissance l'autre jour. Sans emploi, je n'ai nulle part où aller. Comment je vais les nourrir? Très bien, très bien. Bon, écoute, Roto, il faut que j'y aille. Je reviendrai plus tard. Donc attends-moi chez toi. Oh, laquais, laquais qui me dit. Bah, dis donc. Et voilà. Nous sommes en la nuit. Roto, réveille-toi. Oh, t'es enfin réveillé. Désolé de venir si tard la nuit. Mais après ce qui s'est passé, bon, mon père m'a vraiment grondé. Il m'a même enfermé dans ma chambre. Il pensait vraiment m'avoir. Mais il monte son âge. Je n'arrive pas à croire qu'il s'est fâché pour cette bague. Elle doit valoir une fortune s'il s'est mis en colère pareil. Oh bien. Eh bien. Quoi qu'il en soit, allons vite aux ruines avant que le soleil se lève. Ok, Roto, allons-y, let's go. Tu es sûr que tu es prêt? Oui. Je suis fatigué de ces jeux, Roto. Si tu refuses une requête, je vais te mettre une baffe et le cycle vicieux, le cercle vicieux recommence à nouveau. Cette fois, je vais juste attendre et je veux que tu montres un peu plus d'enthousiasme. Ok. Ben, je lui ai dit que j'étais prêt pourtant. Ah, mais je me suis trompé de bouton. Oui, je suis prêt. Allons-y. Peu importe ce qui nous attend, je suis prêt pour tout. Toi aussi. N'est-ce pas, Roto? Oui, c'est bon. Allons-y. Le vieil homme nous a dit que si nous avions le cœur pur, il suffit de demander que le chemin nous soit montré.
Et donc ils se mettent à prier. Et effectivement, il se passe quelque chose cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à y croire. J'ai essayé d'ouvrir cette porte un millier de fois. Et ça, c'était le truc pour le faire. C'est vrai que ça paraît simple. On n'avait pas besoin d'artefacts ni rien. C'est incroyable, Brotto. Je suis impatient de voir ce qui se trouve dans ces ruines. Notre nouvelle aventure commence. Effectivement. C'est assez impressionnant de l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose de gravé dans le sol. Effectivement, il y a une écriture ancienne, mais notre héros n'arrive a priori pas à le déchiffrer. Tu vois ça? On dirait une sorte d'ancien script. Dommage que nous ne puissions pas le lire. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Les saints attendent en formation, gardant les ruines et pointant la direction vers la Renaissance. D'une certaine façon, Roto a été capable de lire le script. Mais comment as-tu appris à lire le script? On n'en a jamais touché dans mon éducation de prince. Et toi, un simple fils de pêcheur, tu es capable de lire. Ah, bah je suppose que ça ne sera utile. Donc il y a toutes sortes d'inscriptions, mais un peu énigmatiques. Difficile de comprendre ce qu'elles veulent dire sans contexte. Qu'est-ce que c'est? Je suis le gardien de la flamme. Quand elle s'éteint, je suis ici pour la raviver. Je suis le protecteur du home. Intéressant ces ruines. C'est surtout intéressant que on arrive dans des ruines qui auraient des centaines, voire milliers d'années, et il y a des flammes qui brûlent depuis tout ce temps. Fantastique. Statue. La base de la statue dit le premier saint, le second saint, le troisième saint et je suppose le quatrième saint. Et la porte est fermée. Allons voir. Donc je crois que vous l'aurez compris, mais cette séquence comporte pas mal de puzzles. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Juste l'argent, ok. Là, on peut descendre plus bas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un autre chemin, d'accord. Encore une stèle. La légende des quatre saints. Voulez-vous lire? Oui. Premier saint. Le premier saint règne sur la terre. Il est éternel et soutient toute forme de vie. Il est devenu la terre elle-même. La puissance de la terre réside dans son armure et recouvre son corps entier.
Donc le premier saint, c'est le saint de la terre. J'ai peut-être noté ça, comme ça a probablement son importance. Donc le premier saint est le saint de la terre. Le deuxième saint est celui du vent. Le vent peut devenir comme une lame d'air, perçant tout ce qu'elle touche. Pour se protéger, que dois-tu garder dans ta main? Une épée, je suppose. Ah, je vois. Donc, le vent, c'est l'épée. La terre sera probablement l'armure. Donc, c'est des indications qui nous explique quelque chose à propos des statues. Le feu, le troisième saint c'est le feu, et le dernier sera probablement l'eau. Quand il est en colère, son âme de feu ne peut pas être contenue. Seule une tête froide peut résister à sa force. Ok. Ah, tête, c'est le home donc. Oui, c'est ce que ça disait quand on entrait. À l'entrée, ça disait le saint du feu qui garde le home, oui. Et le voilà, l'eau. L'eau est la source de toute vie qui nous donne la vitalité et nous débarrasse du mal. Ou nous lave du mal plutôt. Est-ce que la véritable force vient de la colère ou de l'amour? L'épée pointe dans la direction. Ah, attends, mais l'eau c'est aussi une épée, alors que le vent. Ah, le vent ça doit être bouclier alors. Bouclier pour protéger du vent qui coupe. Et puis l'eau c'est l'épée, ouais. Ok. Donc on a déjà découvert qu'à chaque saint correspond à un élément d'armure. Ok. Pour l'instant, cette balance, je ne sais pas quoi en faire. Et ici, il semble ne rien y avoir. Ok. Est-ce que je peux pousser le caillou jusque là-haut? Probablement pas. Ah, mais c'est pas nécessaire, d'accord. Oh, par contre, je me suis bloqué là. Ok, je devrais être plus subtil. Je suis allé un peu trop vite. Ah d'accord, j'ai un temps imparti, je peux pas le... Voilà, je redescends. Plus vite? Oui, nous sommes passés. Ok. On peut soit remonter ici, soit continuer par là. La porte est fermée. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons voué nos vies à la poursuite de la vérité absolue. C'est ici, avec un cœur véridique, que nous sera donné le chemin vers le futur, avec un cœur qui ne se laissera pas dompter par le mal. Ouais, mais dans l'anglais, j'ai traduit un peu approximativement. J'ai l'impression qu'il faut mettre sa main à l'intérieur de la bouche du lion. Il y avait une clé. Ok. Ça, c'était une énigme facile jusqu'ici. Ok. Ah, d'accord. On doit refaire tout le tour.
Très bien. J'y arrive pas à temps. Donc la clé ouvre probablement le passage, la porte qui était fermée tout à l'heure. Donc là, on va pouvoir l'ouvrir. Voilà, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, à chaque arbre, les feuilles montrent vers le soleil. Si tu as perdu ton chemin, suis le soleil. D'accord, donc c'est une indication. Gauche, droite, gauche, gauche. Donc ça, je m'en souviens. Donc gauche. Droite. Et deux fois gauche. Ok, une chute d'eau. Un coffre. Une graine de vie. D'ailleurs, la graine de vie, je vais la mettre dans le sac pour l'instant. Et ces objets aussi. Parce que je pense pas qu'ils vont me servir dans l'immédiat. Parfait. Oups. Les dragons servent Dieu. Et vivent et meurent par la lumière du cristal. D'accord, donc la boule là-bas, c'est... Oui. Est-ce que je peux passer en attendant? Non. Donc si je veux passer, il faut que je déplace la boule d'un côté à l'autre. Peut-être comme ça plutôt. Non. Voilà. Non, alors voir le changement que ça a fait. Ok. Donc maintenant l'autre côté est accessible. Allons faire un tour. Donc les quatre piliers de couleur résident dans une pièce plus basse. D'accord? Par contre, ça, je me souviens de ce qu'il faut faire. En fait, il faut mettre une de ces stèles sur chaque couleur. Probablement que l'info dont il parle des quatre piliers de couleur, c'est juste une info sur ce qu'il faut faire qui est plus bas. Mais comme je sais ce qu'il faut faire, je connais les couleurs qui correspondent aux monstres. Donc ça, c'est un monstre marin, donc bleu. Et ça, c'est un monstre de feu, donc rouge. Ah,
pas le passer comme ça, voilà. Voilà, ça ouvre la porte. Donc sans voir les instructions, j'ai su ce qu'il fallait faire. Donc ça me raccourcit un peu le chemin pour cette fois. Et ça, c'est l'armure, donc je suppose c'est pour le sein de la terre, ça. C'était le premier, ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai pas l'impression. Donc on a récupéré l'armure. Il nous faut encore récupérer trois autres objets. Donc l'épée, le home et le bouclier. Ah bah voilà l'épée. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Encore un passage, d'accord. Sacrément long. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Le bouclier. Bon, bah ça va vite. Il me manque juste le home. Et c'est bon. Ah, je reconnais ce passage, oui. Ça va me ramener au début du donjon. Enfin, du donjon, au début des ruines. J'ai l'impression qu'il y avait encore quelque chose là-bas. Ah, c'est pas vrai. Et maintenant, je comprends pourquoi ils ont mis ces portes. C'est juste pour pouvoir réinitialiser le puzzle au cas où on fait une erreur. Et voilà, j'en ai fait une justement. Final, je sais pas si c'était plus simple de passer par ici. J'aurais peut-être dû rebrousser chemin tout simplement. Parce que maintenant je vais faire ça. Donc c'était gauche, droite, gauche, gauche. Gauche. Droite. Et deux fois gauche. Ah mais oui, mais j'y avais pas pensé, mais en faisant ça, j'ai plus le ouais, donc c'était totalement inutile ce que j'ai fait. Flûte. Maintenant, il faut que je retourne. D'ailleurs, est-ce que si je vais à droite, qu'est-ce qui se passe au juste? Non, ça me remet ici, ouais. Ah voilà, je sais. C'était peut-être plus rapide comme ça, ouais. Elles sont sacrément complexes, ces ruines. J'avais oublié à quel point elles étaient complexes. Et donc c'est, je l'avais précisé au début, il y a des différences entre la version PlayStation de ce jeu et la version 3DS. En fait, dans la version 3DS, ils ont complètement, mais complètement, éliminé toute cette séquence du jeu. Ils l'ont extrême, enfin, elle n'est pas éliminée, mais elle est extrêmement simplifiée. Certains diront que c'est mieux comme ça. Moi j'aime bien.
J'aime bien ces petits puzzles, mais j'ai toujours aimé les puzzles, c'est pour ça que j'aime bien les Zelda par exemple. C'est les puzzles dans les Zelda qui me plaisent. Ah oui, donc ça c'est l'histoire des piliers, oui, d'accord. Donc ça c'est rouge. Oui, ça c'est... Oui. Ouais, je sais ce que c'est. Donc quand on va regarder dans le trou, on va voir un monstre. Et ce monstre, c'est le monstre qui correspond à la couleur. Donc c'était la salle tout à l'heure. Mais on a fait ça, donc... En fait, on n'en a pas besoin. Donc il manque plus que le home. Et je pense que en fait on a juste à revenir au départ. Donc finalement j'étais bon. J'ai juste perdu du temps à faire l'aller-retour. Parce que si vous vous souvenez, au début, quand on est rentré dans les ruines, on a rencontré une stèle qui parlait du home. Et donc je pense que c'est tout près de cette stèle qu'il y a quelque chose à faire. Mais peut-être qu'entre-temps, on peut déjà placer... est-ce qu'on peut déjà placer les objets que nous avons? Donc le premier saint, c'est celui de l'armure. Voilà. Le deuxième saint, c'est celui du bouclier. Donc mettons le bouclier. Le troisième saint, c'est celui du home, on l'a pas encore. Et le dernier, c'est celui de l'épée. Voilà. Donc si ça avait été Dragon Quest 11, toute cette phase aurait été plus streamlinée. On aurait juste cliqué sur la statue. Voulez-vous mettre tel objet sur le saint? Hop, ça aurait été fait direct. Mais à cette époque, c'était encore avec les menus super compliqués. Et maintenant, je me souviens, il y a quelque chose à faire ici. Mais je sais plus quoi. Oui. Ah oui, voilà. Donc c'est ça qu'il voulait dire. Il garde la flamme, donc il va la raviver. Et je pense que, oui, c'est ça, je me souviens, si je le fais dans cette direction. Voilà. Il y a un passage secret. Et nous avons le home. Mais je me souviens que à l'époque, j'ai beaucoup plus galéré sur cette phase, évidemment. J'ai bien dû passer une ou deux heures dans ces ruines. Là, ça s'est passé en moins d'une heure, c'est sûr. Je pense même en une trentaine de minutes. D'accord, j'aurais pu aller plus vite, mais... Parce que j'ai quand même fait quelques allers-retours. Voilà. Et c'est pas encore fini, il y a encore des puzzles. Et je pense que on nous a fait le gros. Ah voilà. Donc là on va pouvoir sauvegarder. Vais juste prendre une petite gorgée d'eau pendant ce temps. Voilà, c'est pas encore fini. Donc là, nous avons une autre énigme. Donc là.
Il y a un brasier, d'accord. Donc peut-être qu'il va falloir allumer le brasier en haut d'abord. Ouais. Donc la torche bleue, peut-être que c'est pour allumer le côté bleu. Oui. Donc probablement que nous devons allumer ce brasier en rond bleu. Celui-ci. Et celui-ci. Oui. Et puis faire la même chose de l'autre côté. La brume se lève. À ceux qui cherchent dans ce monde perdu, le monde a été divisé en quatre sources et resté ce jusqu'ici. Restait tel jusqu'à ce jour. Retournez les artefacts à leur bon emplacement. C'est seulement à ce moment que vous découvrirez la vraie nature du monde. Nous avons découvert une tablette de terre. Qu'est-ce que c'est que cet éclat? Oui, un shard, c'est plutôt un éclat en anglais. Land shard, donc ce serait l'éclat de terre. Mais attends, je me souviens avoir vu un dessin de ces éclats dans un vieux tome. Pourquoi y a-t-il tellement de piédestals ici? Piédestals ici? Qu'est-ce qu'on va mettre quelque chose sur eux? Nous n'avons pas d'éclat correspondant à cette pièce. D'accord, peut-être cette pièce. Ah, il y a encore un éclat là. Voyons voir. Peut-être ça correspond ici. On dirait qu'il nous manque un éclat. Nous avons mis tellement de temps à trouver les autres, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Peut-être que nous devons chercher un peu plus loin ou peut-être rentrer chez nous. Mais moi je propose qu'on regarde encore un petit peu. Ah! Tiens, c'est quoi ça? On a trouvé la carte du monde. D'ailleurs, comment on accède à la carte du monde? Ah, nous n'avons pas de place ici. Il faut l'utiliser où il y a plus de place. Donc peut-être qu'on peut l'utiliser qu'en extérieur. Est-ce que c'est ouvert? Non. Non, c'est fermé. Et là aussi, c'est fermé. Et vous voyez sur le sol, il y a une espèce de tache. Retenez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de portail. Ah! Mais c'est la cave où nous avons l'habitude d'explorer. Effectivement. Maintenant qu'on est venu de l'autre côté, on a pu en sortir. Donc c'était un raccourci. Raccourci bien pratique parce que s'il va falloir se taper toutes les ruines à chaque fois,
pour venir mettre des éclats. Ça va être compliqué. Ouah, c'est déjà le matin. Je ne me rendais pas compte qu'on a mis tellement de temps là-dedans. Je vais retourner au château pour faire des recherches. Il doit y avoir d'autres éclats quelque part. Cherche aussi de l'information de ton côté. Si tu trouves quelque chose, viens me voir. À plus tard. Ok. Ben rentrons déjà chez nous, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. Musique festive. Il y a quelque chose qui se passe. Probablement. Ah voilà, c'est ça. Les pêcheurs sont de retour. Ils sont tous à quai déjà. Ça change. On rentre à la maison, hop. Alors, papa, qu'est-ce que t'as foutu? Salut Roto! Je viens de rentrer. Ah non, toi, tu viens de rentrer. Moi, c'est moi qui. Il me dit ça à moi. Ouais, on a eu une bonne pêche cette année. Je crois que nous n'avons pas eu une si bonne pêche depuis que tu étais né. Et c'est il y a plus de 10 ans. Donc notre héros a 10-11 ans, quoi. Je crois que cette année était même mieux que cette année-là. Quand je suis revenu de mer, tu étais déjà né. Et soudainement, la seule chose à laquelle je pensais, c'était toi. Tu es né en seulement 5 mois, mais tu étais complètement en bonne santé. Quand tu as vu mon visage, tu as commencé à gargouiller. Ah non, à pleurer. Bowling. Ouais, bowling, c'est pleurer. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une bonne pêche. Dors bien. Ouah, je me sens en pleine forme aujourd'hui. Tiens, c'est notre oncle. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui? Ah, il est bourré encore une fois. Il est bourré. Ah, en plus il a mangé il a mangé notre portion. Ah, il est terrible. Bon bah je vais me reposer. Mais il me dit la même chose. Moi, je pensais que ça allait débloquer un truc. Donc les circonstances de la naissance de notre héros sont un peu particulières. Apparemment, il n'a été en gestation que 5 mois. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'il vient voir mon oncle? Hé hey, Roto, tu es revenu? J'ai besoin de ma pierre. Ah oui, la pierre, on lui a piqué. Tu l'as, bien sûr. Ah, je peux pas baisser ma garde avec mon jeune neveu. Donne-moi ça. Il a repris la pierre. Mince, je pensais que je pouvais la garder. Bon, tant pis. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir Maribel. Ah, elle est là. Mais quel nerf! Qu'est-ce qu'elle me veut? Elle est en colère, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je vais faire en finesse? C'est des femmes, ça. Elle a un sacré caractère, mais. Elle aimerait être un homme, mais. Elle fait un petit peu garçon manqué, mais pas tant que ça finalement. Bon, allons peut-être voir qui faire. Ou peut-être le vieil homme. Je sais
pas. Ouais, le vieil homme. Allons d'abord voir le vieil homme. Ça n'a peut-être aucune utilité, mais... Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Ah, on peut pas le... Oh, c'est toi! Alors, ça... mon déchiffrage vous a aidé? Ah, donc, c'était bien le cas. Je suis juste trop bon. C'est dommage, toutefois. Si seulement j'avais eu ce tome en étant plus jeune, j'aurais pu continuer à aventurer, à partir à l'aventure moi aussi. Si seulement j'avais eu des amis comme toi à cette époque. Ouais, peu importe. Je vous ai vous maintenant. Je suis sûr que vous êtes content d'avoir un vieux sage comme moi, n'est-ce pas? Aussi longtemps que je suis ici, aucun puzzle, aucun labyrinthe ne pourra vous bloquer. Donc, rien de particulier à part que il semble très content pour nous. Bon, allons voir Kiefer. Lui n'a rien trouvé de son côté. Donc retournons au village. Je suis sûr qu'il y a quelque chose avec mon père. Normalement, c'est lui qui devrait me donner la nouvelle tablette ou le nouvel éclat. Ça, je m'en souviens de l'époque où je l'ai joué, mais il y a peut-être quelque chose à accomplir avant. Peut-être que je vais parler à tous les villageois, ça serait un peu compliqué, mais... Non, il me dit juste la même chose. Ah, je vais pas parler à Amit, ça c'est une bonne idée, ouais. Il faut que j'aille voir Amit. Est-ce qu'il est dans sa maison? Il n'est pas là, peut-être dans sa chambre, je sais pas. Amit. Ah, il est en train de dormir. Ok. Pour l'instant, on n'a pas d'indication sur ce qu'il faut faire. Elle ne nous a rien dit de particulier. Ah, peut-être... peut-être si je vais dans le bateau. Voyons voir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je me demande où est passé le cuisinier. Pêcheur là à l'arrière.
Pareil que je pourrais pas ouvrir le coffre. Ouais, effectivement. D'après ce que dit la nonne, j'ai quand même un... Elle me dit quand même d'être avec mon père, mais... J'ai dû parler à mon père, il m'a rien dit de plus que... Quelque chose que je dois faire, mais je sais pas trop quoi. Je lui ai rendu la pierre à mon oncle, donc j'ai parlé à tout le monde. Ouais, je vais peut-être parler encore avec des gens. Ouais. À mon avis, il doit y avoir une info que j'ai loupée. Désolé si je lis pas tout. Ouais, la pêche était bonne. Ah, voilà. Ça me rappelle. Je me souviens de quelque chose. Il a attrapé quelque chose d'étrange avec en pêchant. Il l'a pris avec lui. Voilà, c'est ça. C'est l'info que j'avais besoin. Ça va déclencher la suite de l'histoire, normalement. Donc en fait, si j'avais pas parlé à ce pêcheur, j'aurais pu chercher pendant longtemps. Alors là, il va me répéter son blabla tout à l'heure. Et vers la fin, il va me rajouter: ah, mais tiens, j'ai un truc pour toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Roto? T'as pas envie de boire? Si j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel? Ah oui, en fait je l'ai, tiens, regarde, c'est ce que j'ai trouvé dans mes filets. Voilà.
On dirait une vieille tablette. Tu devrais avertir le roi. Pourquoi ne pas le dire pour quand tu rends visite au prince? Voilà. Et comme par hasard, notre père a pêché le bout de tablette qui nous manquait. Le hasard fait bien les choses dans ce jeu. Bon, évidemment, si vous vous souvenez, quand le vieillard nous avait traduit le parchemin, il parlait d'élus. Donc forcément, il y a un truc là. Il y a une destinée, comme dans tous les Dragon Quest. Allons voir le prince. Je pense qu'il sera content. Je me demande si on peut aller aux ruines sans lui et aller mettre la... Oui, j'ai trouvé quelque chose. Quoi, tu as trouvé une autre tablette? Ça a été trouvé dans les filets durant la pêche? Quelle est la probabilité d'une chose pareille? Ça doit être le destin. Allons-y, Roto. Nous devons retourner au temple. Évidemment. Ah oui, je vais à mon village. Oups. Oui. C'est bien sûr au temple qu'on doit aller. Ou dans les ruines. On va pas peut-être prendre de raccourcis cette fois-ci. Ah. Elle nous a trouvé. Maribel! Comment avez-vous pu être aussi dénué de compassion et ne pas me raconter que vous faisiez ces choses pareilles? Roto, tu me dois quelque chose. Allez, je viens avec vous. Bon, allez, ça va. Merci, Roto. Allons-y, je suis excité. Oh, soupir. Allons-y, Roto. Et voilà, nous sommes trois. Donc nous avons une équipe de trois personnages, mais pour l'instant, on ne sait pas trop de quoi ils sont capables, puisque on n'a jamais dû se battre. En fait, on est juste des mômes qui nous aventurons au fin fond de la forêt. Voilà, heureusement qu'il y a ce raccourci parce que se retaper toutes les ruines pour... Enfin, ceci dit, elles sont belles les ruines, mais faut pas abuser non plus. Alors, nous allons enfin savoir ce qui se passe lorsque nous complétons... Quoi cette lumière? Ah! Incroyable! Chrono Trigger. Oh! Cet atterrissage n'était pas aussi délicat que je le pensais. Même le grand prince Kiefer se trouve dans la boue, comme un simple paysan. Je crois que ma fierté est plus blessée qu'autre chose. Que s'est-il passé? Maribel, Roto, ça va? Non, ça ne va pas. Mais garde Ah, comment on dit concern? Garde tes remarques pour toi et tes courtisanes. Je peux me débrouiller toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'était pas juste dans les ruines? Il y a quelque chose qui cloche.
Je n'ai jamais vu cet endroit avant. Je ne savais même pas qu'un tel endroit pouvait exister sur l'île. Mais qu'est-ce que tu racontes? Maintenant que tu le dis, le ciel est vraiment très noir ici. Bon, bah c'était marrant, mais je crois que je vais rentrer chez moi. Allez, merci, hein. Elle se barre, on est à peine entré dans les ruines, on a quasiment rien fait. Elle se barre déjà. Bon, bah, on n'a plus rien à faire ici. Allons-y aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut tourner? Non. Oh. Oh. Allons-y. Ah, des slimes. Nos premiers monstres, le premier combat. C'est d'ailleurs le même premier combat que dans Dragon Quest 8. Bon, que beaucoup de Dragon Quest, on va dire, mais. Et on l'a fait vraiment pas mal. Mais eux non plus ne nous font pas trop mal. Mais qu'est-ce que vous... Dans quel endroit m'avez-vous emmené? C'est quoi cet endroit? C'est quoi ce temps? Et qu'est-ce que c'est que toute ce slime bleu? C'était quoi ces choses? Des monstres? Monstres? C'était des monstres? Mais qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Et vous apprenez rien au château? Qu'est-ce que vous faites à part boire et chasser des... et courir après des femmes? Quoi qu'il en soit, c'est tout ça est de votre faute. Vous n'auriez pas dû me ramener ici contre ma volonté. Maintenant, c'est contre sa volonté, d'accord. Tu devrais être plus responsable, Roto. Ramène-moi à la maison. Des monstres. Tu entends ça, Roto? Des monstres. Nous avons combattu des monstres. Regarde mes mains, elles tremblent. Mais pourquoi tu es si content? Je comprends vraiment pas les hommes. Quoi qu'il en soit. Ne restons pas ici. Ramène-moi chez moi. Ben, j'aimerais bien, mais je sais pas où c'est chez toi. Je sais pas où nous sommes. Mais bon. Tiens, c'est qui ça? Quoi? Qui êtes-vous? Désolé de vous avoir surpris. On voulait pas vous faire de mal. Mon nom est Kiefer, je suis le prince d'Estarde. Estarde? Mais c'est impossible. Et ça, c'est Roto et Maribel. Ce sont mes laquais. Je sens qu'elle va dire quelque chose. Nous sommes des amis. Excusez-moi, mon nom est Mathilda. Mathilda? Mais qu'est-ce que vous faites ici, en train de couper des herbes? Ah, j'ai pris ces herbes comme offrande pour ces tombes. Quoi? Vous mettez des herbes? Mais enfin, des herbes, c'est des mauvaises herbes, carrément. Des huîtres, c'est des mauvaises herbes. Vous mettez ça à la place de fleurs? Oui, comme vous voyez, il n'y a plus de fleurs ici. Je pensais donc au moins utiliser ces herbes. Mais si vous voulez des fleurs, j'en ai quelques-unes. Tenez. Enfin, c'est pas des fleurs, c'est des graines de fleurs. Je les ai ramassées dans la forêt d'Estarde. Je pensais les planter autour de ma maison. Oh, merci. Si vous voulez bien m'en donner quelques-unes, mais bien sûr, vous pouvez même les avoir toutes. Merci, merci. Je vais les planter de ce pas. Ça devrait calmer les esprits des défunts. Les défunts? Par ailleurs, mais où est-ce que vous allez, vous trois? Bah, pour l'instant, on essaie de rentrer chez nous.
Ah, ça me déplaît de vous le dire, mais vous ne pourrez pas rentrer d'aussi tôt. Pourquoi? Mais je peux vous emmener à un endroit pour vous reposer, dans le village tout près d'ici. En signe d'appréciation pour m'avoir donné ces graines, je vais vous accompagner jusque là-bas. Et voilà. Donc c'est ici que l'aventure commence vraiment. Et qu'il y aura des combats de monstres. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du fait que Mathilda est avec nous. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Donc il n'y a pas grand-chose. C'est aussi une très petite île comme Estard, l'île d'Estard d'ailleurs. Et je vais profiter d'elle, du fait que Mathilde soit avec nous parce que elle peut se battre à notre place. Enfin, elle se bat plutôt avec nous. Et de ce fait, les combats vont être plus faciles. Et on va gagner un peu d'expérience. Mais au moment où j'entre dans le village, elle va quitter notre équipe. Et donc j'aurai plus sa protection. Donc, le plus intéressant pour l'instant, c'est de prendre quelques niveaux en la gardant de notre côté. Mais je vais pas faire ça en stream. Je vais le faire de mon côté. Et comme ça, je coupe le stream maintenant et je peux faire un nouveau stream un peu plus tard dans la soirée. Je pense prendre 2-3 niveaux, peut-être 5, jusque 5 maximum. De toute façon, au bout d'un moment, on va plus gagner suffisamment d'XP avec les monstres qui sont très faibles ici. Donc ça n'a pas d'intérêt d'aller beaucoup plus loin que 2-3 niveaux. Donc voilà. Voilà le programme. Et donc je reviendrai soit ce soir, plus tard dans la soirée. Avec un nouveau stream, soit demain. Ça, je dois encore voir si ça va aller. Mais pour l'instant, ce sera tout pour ce stream, donc je vais le couper. Donc à plus tard.